On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche d'notification. C'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes et ça me fait ultra plaisir. Bien sûr, si vous voulez d'autres épisodes, parce qu'aujourd'hui ça sera peut-être le dernier épisode sur la planète Mars ou dans la ville en tout cas de Carlos, si tout simplement vous voulez qu'on retourne un jour sur Mars avec des amis youtubeurs ou tout simplement encore avec ma famille et Dédé, etc. Et bien il faudra 5000 pouces de cette vidéo. Du coup franchement je vous laisse bombarder les likes les abonnés. Je compte sur vous, je sais que vous êtes capables. Du coup mettez un maximum de likes et n'hésitez pas aussi à aller dans la description de la vidéo ou même des autres vidéo, il y a le lien Teespring tout simplement. C'est là où c'est une petite page internet où je vends des t-shirts, des tasses, des stickers, etc. personnalisés avec des personnages de ma chaîne YouTube. Et il y a un petit logo les gars qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est tout simplement moi et ma famille sur Mars. Du coup franchement n'hésitez pas à aller la voir et acheter un petit article. Je vous le dédicacerai si vous m'envoyez une petite photo de ce que vous avez acheté sur Snap ou Instagram. C'est tout en description. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage de la vidéo les gars. Tout simplement je suis dans ma petite chambre, donc on va aller voir Carlos parce qu'aujourd'hui il est disponible. Il y a Dédé aussi, je sais pas si vous avez vu mais on l'a libéré de prison, enfin c'est pas moi qui l'ai libéré, je crois que c'est Carlos qui l'a libéré ouais. Et la dernière fois sur sa chaîne YouTube, du coup allez le voir, c'était vraiment cool. Okay. J'entends une douche les gars, est-ce que ce serait pas Carlos qui serait en train de... C'est quoi ça? Carlos, qu'est-ce que tu fais? Carlos c'est un loup. Et tu te douches habillé toi? Ah bah ouais parce que mes habits puent, du coup je voulais la laver aussi. Ok, t'es en train de chanter quoi là Carlos? Allez les gars, je sais pas ce qu'il chantait Carlos, en tout cas n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il chantait les gars. Je crois que c'est une musique qui est très connue en ce moment, du coup si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai l'impression qu'il chante beaucoup cette musique sur les vidéos des autres youtubeurs. Il est passé où Carlos? T'es où? Dites-moi pas qu'il est dans ma chambre. Il est où? Ça se trouve il est rentré dans sa chambre hein. J'ai pas vu non. Ça. Ah, t'es dans la chambre de Dédé? Non. Il est où? Eh les gars, si... ah punaise, regardez-moi, il est là. Carlos, tu crois que t'es caché là? Oui. Je suis en dessous de toi. Je suis caché, tu m'as même pas vu. C'est quoi ça? C'est une piscine, piscine à l'envers. C'est une verticale. C'est une piscine verticale, ok. Bon, du coup, t'es prêt? On va aller réveiller Dédé, Carlos. Il est juste ici, vas-y. Open up. Ah, mais oui, ok, tu voulais. Ah, mais qu'est-ce qu'il dort sur son WC? Hey, Carlos. Tu me laisses faire. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y, vas-y. Ok, je fais ça 2 secondes. Ok, bon, Carlos, il prépare un truc. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, doucement, Carlos, c'est pas ce qu'il y a dessous. Ah, punaise, les gars, Carlos. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Le sol. Dédé. Il est où? À mon avis, il est en train de tomber là, il va remonter. Dédé, remonte! Qu'est-ce qu'il fait? Dédé, il est. Ok, bon, les gars, je sais pas où il est, Dédé. C'est vraiment inquiétant. Ah, bah, il est là. Dodo. Ah, il est là. C'est complètement malade ou quoi là? Sors d'ici, Dédé, qu'est-ce qu'il fait? Et hors de ma vue, Carlos, hors de ma vue. Je prends mes caleçons sales, attends. Non, mais prends tes caleçons sales. Arrêtez avec cette musique, c'est du grand n'importe quoi cette musique. Je hors de ta vue. Ah, tu hors de ta vue. Ok. Bon, c'est parti, on va monter en haut, les gars, parce que aujourd'hui, bon, Dédé, il est pas au courant, on va l'expliquer, punaise. Mais ces escaliers, vraiment, je les déteste. Je crois qu'il va falloir qu'il les change. Ah, ils sont nuls, ce total là. Ah ouais, cet hôtel il est vraiment nul. Hein. On mettra un mauvais avis sur l'hôtel. Ouais, je vais mettre un mauvais avis sur TripAdvisor. Non, c'est TripAdvisor, je crois. Ouais, bah c'est pareil. TripAdvisor. Ouais, c'est un truc pour mettre des avis pour les hôtels, Carlos, t'inquiète. Ah ouais. T'as pas honte, Wariz? Alors attends, qu'est-ce qu'il y a, Dédé? T'as pas honte? Bah, honte de quoi? Je vais avoir trompé avec ma cousine. Ouais, vraiment. Au bout d'un moment, faut s'arrêter, Dédé, hein. C'est pas ouf ça hein. Bon du coup, mais en tout cas les gars, ouais, Dédé et Carlos ils sont vraiment fans de Weshden. Pour ceux qui avaient eu la bonne réponse, c'était Weshden. Enfin du coup je crois la musique s'appelle Anissa. Du coup là, pour ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon du coup c'est parti, viens on va vers ton papa Carlos et après on explique à Dédé ce qu'il faut faire. Vas-y. Et il est à la retraite ton papa ou pas Carlos? Ça te regarde déjà, c'est une question bah, qui Bah oui, c'est pour savoir si tu as bientôt touché l'héritage. Wouah, hardcore. Mais pourquoi tu veux faire ça? Tu veux savoir ça, Dédé? Bah toi déjà que t'es vieux, et bah je sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mais toi tu vas relâcher un vieil héritage puisque ta ferme ne vaut rien déjà. Ah, si, c'est toi le plus vieux aussi, c'est toi qui es le plus vieux. Mais moi je meurs pas comme ça moi. Ouais, c'est un alien Dédé, hein. C'est pas pareil que nous. Bon en tout cas, attends avant de toquer Carlos, Dédé, on va t'expliquer ce qu'on voulait faire. C'est qu'avec Carlos, nous on en a marre, enfin de Mars, pas qu'on en a marre, c'est qu'on a envie de retourner un peu sur la Terre, tout simplement la Terre, sur notre ville, parce qu'on a envie de faire des nouvelles aventures avec de nouveaux méchants, nouveaux personnages et tout. Et surtout que t'as le cadeau, il m'a invité pour faire, qu'on appelle ça, pas une survie, mais une aventure dans un château géant, ça va être super cool. Waouh. Et ouais mon petit Dédé. Et surtout toi, tu faut que un tu t'occupes... Un château, moi je fais quoi moi pendant ce temps? Bah je sais pas Carlos, t'inquiète pas, on fera d'autres vidéos. Tu viens d'un truc pile des chèvres. On fera d'autres vidéos. Mais, il vient s'occuper des chèvres à la ferme.
Arrête, Carlos. Ok, Carlos, je sais pas. T'es fou. Eh, donne-moi cette machine par contre, Carlos, là, tu fais n'importe quoi. Ouais, avec. T'es un grand malade. J'ai pas de machine, quelle machine? Bon, arrête de mentir, on l'a vu ta machine pour creuser les trous là. Oui, on l'a vu. Ah, j'ai rangé dans ton slip. Mais non, mais ça c'est du foin. Eh, hey, Carlos, prends-moi pas pour un bébête là. Hein. Mais pourquoi tu me donnes du steak, Carlos? Et tu prends pour un fou. Bon, on y va, c'est bon? Ouais, c'est bon, Carlos, c'est bon. Oui. Allons. Eh, hey, doucement, attends. Il va défoncer la porte, ce grand malade. Je vois pas. Oh oui, je... Attends, mais... parce que je sais que je veux faire de ce bouton. Dédé, prends le machin, dis que c'est toi qui as creusé, sinon le père de Carlos, il va le disputer. Dédé, il a pété la porte. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Allez voir, monsieur. Shawariz, il a tout cacheté. Il a dit, ouais, vous êtes vieux, il va toucher votre héritage, Shawariz. Quoi? C'est faux, venez voir. Hop, c'est juste ici, regardez, il a tout cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. C'est Dédé. C'est qui a fait ça? Shawariz. C'est toi. Non, c'est pas moi, demandez à votre fils, c'est pas moi. Carlos, viens ici, Carlos, allez. Bon, regardez, c'est Dédé qui a la machine. Non, c'est vos lunettes qui font ça. Aïe. Doucement, c'est bon, calmez-vous. Il est fou. Tu vas voir, t'as rentré tellement, toi, tu vas voir. Doucement. Je vais te choper. Calmez-vous. Bon, Carlos, il a quelque chose à vous demander, monsieur. Oui, Carlos, oui. On se pâte. On se pète. Ouais, bah, alors, ça veut dire qu'on part dans notre langage. Il a commencé à apprendre du langage de terrain. Ouais, allez, monte en haut, s'il vous plaît. Papa, il nous faut diffuser. Il faut qu'on retourne sur la planète Terre, papa. Oh, déjà? Oh non! Mais vous inquiétez pas, on reviendra. Pas le temps, dodo. J'ai dit aux abonnés, tout simplement, monsieur, qu'à 5000 pouces bleus, on pourrait revenir ici, ben, vous voir, vous et votre femme. Oui! C'est bon, ok, nickel. Oui. Bon, bah, du coup. Merci. Et par contre, vous avez diffusé, monsieur? Ah oui, mais par contre, je sais pas s'il y en aura un sur. Bon, mais c'est oui. Bon, suivez-moi. Eh, hey, Carlos, venez. Ok. Allez, le fermier, suive-moi alors. Ouais, le fermier, il s'appelle Dédé au cas où, monsieur. Ouais, je m'appelle Dédé, tu vas voir, je vais t'éclater ta tête si tu veux. Ouais, Dédé, parle correctement au père de Carlos. Ouais, t'as vu comment il a dit là? Dis-moi, ce fermier. Sur Mars, espèce de grand fou, espèce de grand. Petit point, un peu, c'est le petit point. J'entends parler par moi, je te dis un truc, tu vas rester ça, on va te remettre en prison sur Mars. Oh. Petit point. T'as un vieux schnock. Dédé, calme-toi, Dédé, calme-toi. T'as un petit point, toi. Toi, t'as un vieux schnock. Mais ok, c'est bon. Ok, du coup, monsieur, par contre, y a que trois fusées, là. Ah oui, c'est un gros problème, là, oui. Bah oui, parce qu'il y a encore mon fils, ma fille, et y'a qui d'autre? Ouais, mais on s'en fiche, ça repousse. De quoi ça repousse? C'est des enfants, Dédé, hein. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas tes vieilles plantes que t'as dans ton jardin. Hein. Comment tu parles de mes plantes? Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce que si on part tout de suite avec Carlos et Dédé, est-ce que vous pouvez demain fabriquer des nouvelles fusées pour que mes enfants ils atterrissent chez moi? Ah oui, mais ça va coûter très cher, hein, tu sais. Commence pas à vouloir nous douiller là. Ah ouais, c'est gratuit, Carlos, il voulait nous douiller. Je dois gratter. Espèce de gratteur. Oui, toi, je sais très bien que tu peux aller à la déchetterie là-bas, récupérer des vieilles pièces et recycler, faire des nouvelles. Les gars, le père de Carlos, il a voulu nous arnaquer. Bon, bah, demain, vous avez intérêt que mes enfants ils atterrissent sur Terre, d'accord? Ouais, d'accord, ok, Maurice, ok. Ok. Ouais, voilà, comme ça, vous aurez des nouvelles de Carlos. Bon, bah, du coup, Carlos, t'es pas chaud qu'on aille dire au revoir à ton pote avant de décoller? Oh, Zouzoul. Ouais, Zouzoul, allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, monsieur, on va dire au revoir à un pote. D'accord. Ok, ouais, du coup, c'est parti. Hop là, mais non, mais dis pas au revoir, on va revenir ici pour décoller. C'est fou ce vieux! Bah, c'est le père de Carlos, hein. T'es le fils, t'es le. Ah ouais, t'es le père, t'es le fils, hein. Qu'est-ce que tu fais, Carlos? Attends, je le pousse! Mais allez, non, doucement! Wow! Carlos, ça va, attends, hop, on va. Hey, Carlos, réveille-toi! Oh, Minez, il s'est fait mal. Ouais, je t'ai poussé! Bah non, il t'a vu, Dédé, t'arrêtes de mentir un peu. Bon, du coup, c'est parti, on va aller dans la maison. Oh, t'es dégueulasse. Bon, du coup, on va aller dans la maison, tout simplement, de Zouzoul. Je crois que Carlos, vous avez fait des travaux la dernière fois chez Zouzoul, en vidéo. Ça, c'est un vœu pour les travaux. Ah, ok. Bah, vas-y, toc. Ouais, Carlos. Ok, bon. Il est là. Non. Eh, Dédé, arrête ça. C'est pas grave. Et bon, bah, décolle. C'est quoi là? Rien, t'inquiète. On va se faire ici. Bon, sinon, comment ça va, Zouzou? Ouais, ça va, Joule. Qu'est-ce que tu fais, Dédé? Non, t'es blond, t'as oublié. Ah oui, elle va disparaître, t'inquiète pas, elle va réapparaître.
C'est un truc de terrien, c'est un tour de magie, t'inquiète. Oh, oh, bravo. Merci. Tu lui as volé sa télé là, Dédé. Ah ouais, t'avais plus de télé, tu m'as dit. Ah, t'es vraiment. Ah, bah, si, moi j'ai encore des télés. Bon, t'es vraiment un voleur. Bon, bah, du coup, Zouzou, on était juste venu pour te dire que nous on partait sur une planète. Oh non! Si, bah, du coup, bah, Carlos annonce la nouvelle à ton copain. Hein. On spot. Bon, du coup, Carlos, il adore dire ça. Bon, t'as dit quoi, Dédé? On se barre sans lui. Bah, oui, bah, il était bête, c'est un martien, lui. De toute façon, t'as jamais aimé, on t'aimera pas, allez. Quoi? Eh, hey, c'est faux. Oh, mais t'es mon meilleur ami, Zouzou. Ouais, dude. Oh, bah, du coup... Qu'est-ce qu'il y a, Carlos? Encore un tour de magie. J'ai dit à 7000 pouces bleus, on te ramène sur Terre. Wow, vous avez entendu ce qu'il a dit, Carlos, les gars? 7000 pouces bleus sur cette vidéo. Et tout simplement, Zouzou, il vient sur la planète Terre nous rendre visite. Oh, je veux venir. Ah ouais, tu veux venir, Zouzou? Bah, du coup, faut demander 7000 pouces bleus aux abonnés, d'accord? Oui. Vas-y, demande-leur. Allez, 7000 pouces bleus, vite. 7000 pouces bleus, vite, voilà. Le plus vite possible. Bon, bah, du coup, Zouzou, on va te laisser parce qu'on est un peu pressé. Parce qu'il faut qu'on retourne sur notre planète, d'accord? Oui. Bon, bah, du coup, on était ravis de te rencontrer, Zouzou, la prochaine. Ouais, à jamais, ouais, ciao. Allez, go. Bisous. Bon, allez, prochaine. Bon, du coup, c'est parti. On se pète, les gars. De chez, bah, du coup, chez Zouzou et même de la planète Mars. Par contre, Dédé, tu l'aimes pas, Zouzou? Ah non, je l'aime pas du tout. Tu l'aimes? Oh, d'accord, ok. Bon, du coup, Zouzou, il aime bien Dédé, mais Dédé n'aime pas Zouzou. Pensez n'importe quoi. Il a fait quelque chose que j'aime pas. T'as dit quoi? Il a fait quelque chose que j'aime pas. Ok, bah tu m'expliqueras ça sur Terre, d'accord? Oui. Ok, bon, du coup, c'est parti. On va décoller avec les fusées, les gars, du papa. Le vieux, avec toi. Mais je dormais. Ah oui, vous dormez? On part, monsieur. Ah, vous partez maintenant encore? Déjà? Bonjour papa. C'est pas grave, t'inquiète. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous pourrez voir votre fils. On a une application qui s'appelle WhatsApp et vous pourrez appeler votre fils. Ouais, on se tape. Ok. Bon, du coup, c'est parti. Allez, les gars. La bise, monsieur. Je t'enverrai la facture pour ma porte. Vas-y. Ouais, c'est ça. Et Dédé, tu vas devoir travailler là pour avoir de l'argent. Hein. Ouais, je vais charbonner. Tu vas charbonner. Je vais régler les réglages. Ok, faites les réglages, bon vas-y, Dédé et comment ça s'appelle? Et Carlos, montez dans votre fusée là, prenez une chacun. Comment on est cool? Il y a un million de boutons. C'est espace, Dédé. Ok, alors, croix, ok. Attends, le papa de Carlos, vous êtes prêts? Oui. Ok. Bon, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, on décolle les amis, hop là. On décolle les abonnés, oh regardez. Au revoir le papa, bisous. Au revoir Carlos. Ouais, au revoir les gars. Au revoir. Bon, du coup les gars, on se retrouve, regardez, on va décoller dans 8, 7, 6, 5, 4, 3. Il crame, mais non, t'inquiète. C'est pas... Ok, c'est parti. Oh, ça décolle. Ciao tout le monde, on se retrouve tout de suite quand on atterrit. Wouah, on atterrit les gars, wow. Attention. Ok, du coup les gars, on atterrit sur notre planète. Et du coup, je sais pas, il y a peut-être des collègues qui vont descendre, je crois. Ah oui, regardez. Oh. Attends, c'est qui ça? C'est Carlos. Oui, c'est Carlos. Mais comment il a fait pour avoir un parachute? Mais comment t'as fait pour avoir un parachute, Carlos? Bah, je mange un parachute, moi. Oh, mais je savais pas, regardez. Bon, il y a des coffres et des parachutes qui viennent de descendre. Et là, t'as Carlos avec un parachute qui vient de descendre. Oh, ouais, mais ok, d'accord. Wow. T'avais pas de parachute, toi, Dédé? Mais non, moi, je suis tombé sur mes gros pieds. Ouais, moi aussi. Ah, il est là. Ouais, mais faudrait que tu me dises comment mettre le parachute la prochaine fois, Carlos. Hein. Ah, il est là, dans la fusée, vous l'avez pas pris, c'est votre problème. Non, ok. Ah, bon, oui. Je ne savais pas. Bon, on a appris quelque chose, les gars, avec Carlos, qu'on pouvait prendre le parachute. Bon, bah, du coup, je pense que là, bah, c'est parti pour une nouvelle aventure sur la planète Terre, les gars. On va faire quoi? On va avoir des aventures avec Talcado qui vont arriver. De toute façon, en plus, là, les gars, c'est les grandes vacances, du coup, regardez. Talcado, il a plein de problèmes en ce moment. Ah, ouais? Avec Mr. Crawl, puis avec le colonel Clark. Bah justement, bah Carlos, on va essayer de régler ça avec Mr. Crow, etc. Je vais essayer de l'aider et faire des épisodes sur ma chaîne. Ou tout simplement avec Talcado, on va essayer de régler ça. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va découvrir encore dans la ville. Parce qu'il y a toujours des problèmes ou toujours des méchants qui nous veulent du mal. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, bah moi, je vais rentrer chez moi. Carlos, dans sa petite maison en bulle. Putain, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur cette ville, les gars. Ça fait vraiment très, très plaisir. Bon, bah du coup, toi, Dédé, il faut que tu ailles t'occuper de tes animaux, hein. Ouais, je vais m'occuper de mes trucs. Bah, à plus, les gars. C'est ma maison, ça, Dédé. Dédé. Non, je l'ai racheté. Ouais, mais allez, t'es sort d'ici, Dédé, là. Ça marche pas avec moi, ça. Hein. Ça marche peut-être avec Carlos, mais pas avec moi. Bisous, je m'envole. Bah, vas-y, à la prochaine.
Qu'est-ce que tu fais, Dédé? Allez, retourne dans ta maison. Bon, du coup, les gars, c'est parti. Carlos et Dédé, eux, ils rentrent chez eux. Donc, Dédé va s'occuper de ses poules, de ses plantes, etc. Même tout simplement de sa ferme entière. Et Carlos, lui, va s'occuper de son laboratoire. Je sais pas si vous voulez d'autres. On se posait la question avec Carlos si vous voulez d'autres vidéos avec son laboratoire. Dites-moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de faire d'autres vidéos dessus. Mais je sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Du coup, si vous avez des idées, c'est dans les commentaires. Vous me dites tout ça. Et mettez un maximum de likes. Et vous vous en souvenez, les gars, 5000 pouces bleus, on retourne sur Mars. 7000 pouces bleus, on ramène Zouzoul sur notre planète. Du coup, ça me ferait vraiment trop plaisir. Ça serait super cool. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sous cette vidéo. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous cliquez sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Le petit bouton rouge qui s'est marqué abonné dessus, vous cliquez et voilà, vous serez abonné. Il faut activer aussi la cloche de notification et clocher toutes notifications, voilà, pour recevoir une notification dès que je fais une nouvelle vidéo, etc. Je commence à bégayer. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Awariz, Carlos et Dédé. Ciao tout le monde.